Bonjour tout le monde. Donc ce cas a été référé à la clinique la semaine passée avec une hernie inguinale. Heureusement, ils étaient à temps, donc on a juste pu masser les intestins de nouveau dans l'abdomen. Et aujourd'hui, on va réduire l'espace pour éviter que ça se repasse dans le futur. C'est l'espace inguinal interne et c'est ici que l'intestin peut entrer là-dedans. On a fini à partiellement fermer les canaux inguinaux. Maintenant, on va éviter les hernies récurrentes. J'espère que vous avez aimé notre vidéo et suivez-nous sur les réseaux pour encore des vidéos. Hi everybody! So this horse was presented to the clinic last week with an inguinal hernia. So luckily they were in time and we just could massage the intestines back in the abdomen. Today we will close the internal inguinal ring to prevent that this happens again in the future. Here is the internal inguinal ring, and this is the place where the intestine can go inside. Just finished the intervention, so we partially closed the internal inguinal rings, so now we can prevent recurrent herniations. I hope you liked the video and follow us on the socials for more interesting videos.